Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis, toujours dans les Robocraft Days, toujours sans nouvelles de la tour, toujours... Non, faut pas exagérer, je n'ai plus la rage vis-à-vis des épisodes de ce matin. On part avec la Turtle, la Ninja Turtle, c'est qui s'était révélé être un bon robot finalement après la simple ajout de ce lance-missile. Voilà, faisons peur aux ennemis. Ok, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là-bas. Tu veux bien tirer dessus? Non, bon, apparemment non. T'es pas sérieux? Et que font mes amis? Hop. Elle tire dessus. Blah. Qu'est-ce que... Bon, les snipers font des dégâts supplémentaires apparemment, c'est génial. Bref. Nos amis ne prennent pas les tours, faut dire que je ne les prends pas non plus, je n'ai pas l'armement non plus pour les prendre. Mais bon, c'est comme ça. Alors attendez, j'ai l'impression d'être à 3 km du micro, je m'approche. Je fais approcher le robot aussi, j'ai l'impression tellement je fais des mouvements bizarres. J'entends rien. Est-ce que tu causes? Ah oui, j'entends rien parce que je n'ai qu'une seule... oreillette qui fonctionne. Quoi? Et tu tires sur son armement ou pas? Et tire, bon Dieu, voilà. Aïe. Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi je suis tout seul? Hop. Meurs. Voilà, merci. Hop. Oh bah j'ai plus aucune roue. Vous n'êtes même pas drôle. Ben oui, désolé. Et je prends des tirs. Blah. Blah. Bon. J'ai l'impression que tous mes robots sont devenus obsolètes. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et non pas l'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, va nous falloir des tours. Hop. Ah, c'est saoulant. Et sinon, niveau dégâts, tu t'es dit que ça servait pas à grand chose d'en faire, c'est ça? Bla. Tu me saoules. Mais vous me saoulez tous. Mais quoi? Je comprends pas pourquoi je me prends autant de dégâts par des trucs qui ressemblent à ça en plus. C'est pas grave. Donc j'arrive pas à faire de dégâts. On est en train d'essayer de réfléchir. Je m'en prends en quantité exponentielle malgré le nombre de d'électroplates que j'ai. Et je n'ai pas achevé mon ennemi. Mais merde! Qu'est-ce qui me snipe? Hop. Ah
Raté, voilà, je touche. Finis-le. Allez. Pas encore. Hop. Mais pourquoi tu fais pas bien ton boulot? Voilà. Ah, ça me saoule. Ça me saoule de me faire sniper par une saloperie pareille. Hop. Ah, mais merde. Hop. Oh, mais quoi? Mais cette physique à la pisse. Ça me saoule. Ça me saoule. Là, là, il n'y avait aucune raison de se retourner comme ça. Aucune. Ce jeu, c'est de la merde en barre. Voilà, merci. Alors qu'on vienne pas me réexpliquer les lois de la physique, je suis désolé, il n'y a aucune physique dans ce jeu. C'est pas qu'elle est compliquée à gérer, c'est qu'elle est oubliée. Elle est littéralement oubliée. Donc vaut mieux ne faire aucune physique, enfin je veux dire entre guillemets aucune physique, c'est-à-dire aucun système de principe de retournement, vu que ça fonctionne de manière complètement aléatoire. C'est débile. Hop. Tu me saoules. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est saoulant. C'est saoulant, c'est saoulant, c'est saoulant. Ce jeu ressemble à rien. Regardez ça, regardez ça. On se fait spawn kill, littéralement. Il y en a un qui est allé, c'est bien. Mais il va y crever si ça continue. Ouais, on a plus de bouclier parce que mes potes, j'ai pas encore trop compris ce qu'ils faisaient. Et voilà. C'est un jeu de merde hein, quand même, hein. C'est honnête. Hein. Allez, vas-y, tuez-moi. J'en ai un peu rien à foutre maintenant. Là, ça y est, je commence à péter une durite. Ça fait 3 semaines que je fais que ça. À faire 4... Non, ça fait un mois que je fais que ça. Ça fait 4 semaines. C'est de la pisse. Ce jeu, c'est de la pisse. Je suis désolé, j'en ai plein le cul là. J'en ai ras-le-bol. Vraiment ras-le-bol là. Je prends pas plaisir à jouer au jeu. Je prends pas du tout de plaisir à jouer au jeu. Alors là, j'ai aucune raison de pas le verrouiller, mais le jeu ne veut pas. Et voilà. Comment devenir invincible. Et voilà. Retournement. Ce jeu est génial. Ce jeu, c'est de la merde. Alors j'espère que FreeJam, qui met 3 semaines à me répondre pour avoir un compte presse, m'entend bien. Ce jeu, c'est de la merde. Allez trouver la traduction sur internet, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ce jeu, c'est de la pure merde.
plus il y a des mises à jour, moins le jeu est bon. Les armes font 0 dégâts. Je comprends pas. Je comprends pas. Hop, on va partir avec ça, on va bien voir si c'est différent. De la merde, de la merde, de la merde, merde, merde. Je joue de la merde, de la merde, de la merde, merde, merde. Ouais, c'est la fête. Oui, parce que n'oubliez pas, chers amis, une méga SMG ou deux méga SMG, ce n'est pas exactement une SMG classique. C'est comme... Alors attention, parce que là, attention, je pars du point du principe que je cite Free Jam. Les SMG comme ça sont des SMG, SMG, des véritables SMG. Ils les ont comparés à des Uzi. C'est-à-dire des armes qui tirent dans un sens, mais qui jamais ne font mouche, sauf si vous êtes à moins de 50 cm. Voilà. Et ça, c'est une mitrailleuse lourde, donc une arme précise. Déjà, quand je dis précise, à ce moment-là, c'est pas bon. Parce qu'elles sont, moins précises plus rapidement. Vous voyez déjà le problème. C'est pas comme si niveau quantité de dégâts, elle était présente aussi. Merci. Ouais! Ouais, c'est la fête! Alors on remarquera qu'elle ne fait 0 dégâts. Elles ne font aucun dégât. Hop. Et je vais crever tout seul. Voilà. Voilà. C'est la fête. C'est la fête. J'en ai assez. Je vais finir par arrêter de tourner en attendant la tour. Aucun intérêt à jouer. Regardez ça. Regardez le peu de dégâts qu'il a pris. Il m'en a mis autant avec une arme. Regardez ça. Regardez le temps que je mets, le peu de dégâts que je mets, que je fais. Sur des robots qui ne ressemblent strictement à rien. À quoi ça sert de se faire chier à faire un robot? Si de toute façon ça c'est plus efficace. Putain. Ta mère c'est... Non, j'aime... On avait dit pas les mamans. Je me fais souffrance hein. Putain. Ce jeu c'est de la merde en barre. Putain, heureusement que je paye pas. Ah, j'aurais acheté ça mais... Catastrophe. Alors je rappelle, ils ont bien dit que c'était une mitrailleuse lourde à la base. Hein. Mais bon, ils ont pas dû comprendre le mot lourde à mon avis. Si, c'est eux qui sont lourds. Putain. J'ai plus envie de jouer. J'ai plus envie de jouer avec Alt F4. Honnêtement, je... J'ai encore des vidéos à tourner demain, j'ai pas envie de les tourner. C'est même plus drôle. Franchement, là, je m'amuse pas. Je sais que ça doit pas être trop long à regarder non plus, hein, je suis désolé, hein, mais... Bah, vous voyez bien, quoi.
Allez. Regardez, regardez le nombre de tirs que je lui mets. Putain, mais ça me saoule. Ça sert à quoi d'avoir des armes méga que tu payes un prix de conneries? Voilà, c'est même pas moi qui l'ai le kill. J'ai une putain d'assist. Je me casse le cul. Et voilà. Et il va se faire heal par une... Voilà. Reste derrière moi. Hop. Ah putain. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ce jeu ne vaut rien. Ce jeu ne vaut strictement rien. Hop. Reste derrière, restez derrière pour il. Oh la gueule. On vient de le buter il y a 10 secondes. Voilà. Pouah. Putain, j'ai une arme méga. Et de simples heals suffisent à me contrer. Jeu débile. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de jouer à un jeu comme ça. Que je gagne ou pas, c'est débile. Enfin, je suis désolé, le prix qu'on paye pour avoir ces putains de commandes de méga SMG, et au final non, c'est des SMG banales, juste un peu plus lentes et qui font des gros lasers qui prennent plus de place. Ah non, alors toi, on me bute cette saloperie. Regardez ça, je touche, hein. Voilà, je n'ai plus rien. Faites votre boulot les machins là, tirez sur le truc là. Putain. Ah ça me saoule, franchement ça me saoule. Y'a aucun équilibrage. Et puis en plus ces petites armes à la con là, les petites machines là. Putain, je me fais tirer dessus et je prends une balle de dégâts. Quand je tire avec, je peux toujours tirer pendant 3 heures sans que ça fasse de dégâts. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Hop, merci. Excusez-moi, mais là ça m'énerve. Y'a pas une seule partie qui se passe bien. Oh là là, y'a de quoi péter une durite. Donc je comprends pas comment ils peuvent être aussi solides. Désolé. Oh la gueule. Oh putain. Regardez, regardez ça, c'est débile. C'est la connerie. Et voilà. C'est fini.
Jeu débile. Voilà, bah oui, joue avec ton arme à la con là, de PD. Excusez-moi les homosexuels, hein, j'ai rien contre vous. Hein. C'est juste que là, je suis vraiment énervé. Ça me saoule. Et puis il y a ça là aussi, cette merde là qui est pas censée voler. Mais la physique du jeu, c'est mieux de retourner des robots avec des trucs lourds plutôt que de faire voler des cubes, plutôt que de faire un truc logique avec en forme d'avion qui ne volera jamais. Putain. Ah, oh, qu'on m'explique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'une arme méga, ça fait pas de dégâts. Regardez la vitesse à laquelle je vais me faire défoncer par l'autre saloperie. Non. Voilà. On est rien à cirer. Où il est mon heal? Planqué derrière. Ok, génial, merci. Putain, t'es aidé. Oh mon dieu. Mais c'est pas con leur principe, hein. C'est con. Enfin, c'est pas con, c'est que c'est complètement stupide. Ça sert à rien en fait d'avoir des composants de véhicules de haut niveau. Parce que de toute façon, les cubes sont plus résistants que tes composants. À part les armes. Donc c'est débile. C'est complètement débile. Donc en fait, vaut mieux acheter des petits cubes et des petits trucs de. C'est ce que je vais faire. Je vais finir par faire ça comme ça. Des petits et mettre plein de cubes autour. Je suis désolé mais là ça m'énerve véritablement là. Très très fort. Je rappelle que je viens de repop hein. On est à... Oh là. J'ai envie de faire Alt F4. Bon. Alors d'une, il y a les lâcheurs. De deux, personne prend les tours. De trois, on n'est pas résistant. Enfin, j'ai l'impression de prendre une quantité de dégâts complètement incroyable. De quatre, le matchmaking est à chier parce qu'ils ont au moins trois boucliers. Je crois qu'on a vu trois boucliers au total. De mémoire, je crois. Hein. Au moins deux, trois, je suis pas sûr. Nous, on en a aucun. Ah non, mais le matchmaking, il est... Ah, c'est une merveille, hein. Une véritable merveille. Bah oui, il m'avait vu, bien sûr. Bien sûr qu'il m'avait vu. Hop. Spotted. Your plutonium reactor is under attack. Hop. Spotted. Voilà. Spotted. Vous emmerdez pas, hein, y a plus personne au. Y a plus personne au réacteur. Hein. Je précise quand même. Hop, dégage. Merci. Oh, putain. Ok, bah on y va alors. Faut attendre qu'il sorte, de toute façon.
Ah. Je dis pas ce que fait ta maman en enfer. Je pense que tu l'as bien compris. Voilà. Fin de partie express. Je pense qu'on a tous mérité un GG. Voilà. C'est génial. Putain, je suis premier. Vous avez vu la partie de merde que j'ai fait. Et je suis premier. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend sérieusement? Pouah. Oh là là. Allez, c'est parti, on y va. On va le faire, ce robot. Ok, alors. Hop. Crac. Voilà. Hop. Mouvement. C'est la fête. Voilà. Crac. On va voir si ça marche, hein. Je suis curieux de voir. Mouvement. Non, hop. Voilà. Hop. Alors comment le monsieur avait réussi à mettre ses machins sur le côté? J'aimerais savoir. Enfin bon, quoi qu'il arrive. Hop. Crac. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on met pour la forme? Tiens, on va prendre des ronds, on va faire des ronds. Hop, ça va être sympa. Hop. Je deviens fou, hein, c'est pas grave. Hop. Hop. Ah. Hop. Voilà. Alors. Ici, vous vous en doutez, il me faut... Hop. Un grand truc de mouvement. Ici, il me faut de l'équipement. Hop. Hop. Même si je pense qu'ici je devrais mieux de la mettre. En fait. Ici. Pouvoir toucher quelque chose. Hop. Voilà. Et tant qu'à faire. Tant qu'à faire, j'aimerais aussi pouvoir me déplacer. Donc. Hop. Ce
sera pas avec cela. Hop, voilà. Alors. J'en ai plus, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ensuite. Il faut bien qu'on le protège, ce robot. Ok, ça met dans l'ambiance. Eh bah écoutez, on va aller voir, d'abord aller voir si ça fonctionne ou pas. Parce que moi je veux savoir, hein. Vu qu'apparemment il y a des robots comme ça qui traînent partout. Qui font des dégâts monstrueux comme vous avez pu le voir en plus. Hein. Donc c'est une variable que j'ai pas dû comprendre dans cette arme. Donc déjà ça passe pas. Ça passe pas. Ok. Alors, ce qui veut dire que j'ai un mauvais placement quelque part. Hop. Hop. Qu'à essayer comme ça. Est-ce que là ça vole correctement? Parce qu'après tout, non mais faut pas chercher trop loin. Hein. Les robots, c'est pas comme si c'était quelque chose de sérieux. Hein. Putain, j'y crois pas. Hop. Oh la gueule. Que voulez-vous que je dise d'autre? C'est à se demander. Je vais essayer après tout, juste après maintenant. C'est à se demander. Si. En mettant l'arme ici. Je pouvais pas mettre. Oh, j'y crois pas, ça passe. Enfin bon. Hop. S'il continue à voler comme ça, mais alors, dans quel monde vivons-nous? Honnêtement, dans quel monde vivons-nous? Limite, si je voulais. Ça a une poussée de combien, un machin comme ça? Attendez, ça a une poussée. Apparemment de 165 km/h. 161. La différence, elle est minime. Hop. Vous savez quoi, vu qu'il m'en manque qu'un seul, je vais me faire du mal, je vais m'en acheter un. Hop. Hop, voilà. Limite, je vais même m'en acheter encore plusieurs. Ça coûte pas cher. Hop. 15 000 crédits, hop, c'est pas perdu. Hop. Voilà. Hop. Et bien sûr, on va le mettre dans une couleur bleu ciel. Histoire que personne ne le voit. Non, c'est moche, faut pas exagérer non plus. On va le mettre en gris. Hop. J'ai dit en gris, pourquoi je l'ai mis en noir? Je suis stupide. Hop, avec des armes
Alors ça en blanc déjà. Hop. Voilà. Hop. Et ben on va l'essayer, chers amis. Hop. Après tout, si ça fonctionne, à tout de suite. Ok, re, chers amis. Oula, je me trompe. Hop, voilà. Allez, on y va. Ah bah, là, autre chose. J'ai trop de poussée maintenant. Pensez recalibrer tout ça. Hop. Hop, allez, vas-y, feu. Oula. Hop, les. Je tombe. Hop. Je répare. Et je repars. Yeah. Trop génial. C'est la fête. Hop. Voilà. Hop. Y a plus qu'à faire que ça. Enemies harassment. Voilà comment ça s'appelle. Hop les. Hop. Mais on pourrait même le faire en reste. Oula. Niveau maniabilité, par contre, faut vraiment que je règle ce problème. Hop. Et je kill. Hop. Normalement, mon pote devrait être à même de le finir. Faut pas se barrer trop loin, faut qu'on puisse rester à l'intérieur. Ok, laissons-nous tomber, il n'y a pas de dégâts de chute, c'est parfait, et on y retourne. Voilà, le gameplay il est là. Hop. Eh ben non. Your middle fusion tower is under attack. The middle fusion tower has been captured. Your fusion shield has been deactivated. Your plutonium reactor is under attack. Hop. Hop, dommage. Si nos potes étaient pas tous en train d'attendre que les ennemis viennent. Mais bon, c'est comme ça depuis 5 parties, je crois. Si je me trompe pas. Ou 4.
C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais je peux faire pareil, vous voyez, je peux faire exactement pareil qu'eux. C'est-à-dire attendre. Vous voyez, regardez. Là, c'est magique, là, quand même. Hein. C'est assez magique. Hein. Mais je peux faire aussi. Hop, voilà. C'est l'éclate. Moi, je m'amuse. Hein. C'est drôle. Vous trouvez pas ça drôle? Alors, on m'a conseillé de faire ça aussi, chers amis, là, les trucs à quatre pattes. Utilité, je pense, zéro. Mais bon. Pas comme si vous demandiez mon avis. Hop les, voilà. Là j'ai des raisons de crever. J'ai un robot qui est minuscule. Mais bon, on a des mecs qui attendent. Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. Cucu la praline. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Hop les salto. Sauf que vous l'aviez pas vu venir celui-là. Ok. Hop. Your top fusion tower is under attack. On y retourne. Ouais, c'est la fête, on fait que ça. Hop. Ouais, c'est la fête. Alors, vous voyez, il en a un. Il fait une balle de dégâts, enfin un masse de dégâts. Un balle de dégâts, bref, j'arrive même plus à parler de toute façon, c'est pas la peine. Et moi, avec 3, j'arrive pas à en péter un seul. On m'explique. Hop. Merci. Ok. Ok, bouffe, 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 bouffe. Ok. Je m'en contrefous. Ouais, t'es hors de portée. Hop. Voilà. Vous trouvez pas que c'est l'éclate? Ah, moi je trouve. Hop. Voilà. Et là, ils vont apparaître là. Voilà. C'est la fête. Cynisme quand tu nous tiens. Oh, un shotgun ambulant. The top fusion tower.
booster activated. The middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Your top fusion tower is under attack. Hop. Your top fusion tower is under attack. Spotted. Your top fusion tower is under attack. Voilà. Top fusion tower has been captured. C'est la fête. Your fusion shield has been deactivated. Hop. Ah, j'ai pas le temps de t'avoir, quel dommage. Mais bon, c'est bien, mon pote à côté, il a réapparu juste devant les 3-4 ennemis qui arrivent. 4, 5, 4. Mais bon, c'est la fête. C'est génial, c'est absolument génial. Plus personne peut dire le contraire. Bah oui, 40 secondes. Ça y est, c'est la fin. Wouhou, c'est la fête. Alors, on a 2-3 petites choses à remodifier sur ce robot. Ok. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Trop de propulsion en haut. Pas assez en bas. Donc. On en rajoute en bas. Hop. Mouvement. Crac. Et là, si tu me dis que c'est l'inverse, il est possible qu'il y ait des morts. Hop. Voilà, voilà. Bah écoutez, les amis, on va se laisser sur ce gros moment, gros épisode de rage pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, nous faire tout le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans le magnifique jeu qui est Robocraft. Salut les gens. Et yop, je regardais vite fait s'il n'y avait pas des cubes. Non, il n'y a qu'un cube d'hélium, il n'est pas armoré. Avant, il y avait de l'armoré d'hélium, mais bon, c'est comme ça. Allez, salut les gens.